Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai mis mon pull Pikachu de Noël, j'ai fait le sapin pour cette première vidéo du mois de décembre. Donc aujourd'hui, évidemment, on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon. J'ai 4 boosters 151 à ouvrir, mais c'est pas tout parce que j'ai aussi retrouvé en magasin du coup les 3 mini-tines qui me manquaient à ma collection. Donc on a 10 boosters à ouvrir, j'espère qu'on aura de la chance et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter bien sûr, à vous abonner. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'ouverture. Voilà, j'ai tout installé, donc voici les mini-tines qui me manquaient. Je suis trop contente de les avoir trouvées. Alors je sais, voilà, ça c'est pas forcément très utile, mais voilà, j'aime bien compléter la collection. Donc on va commencer par les boosters qui se trouvent à l'intérieur. Et ensuite on finira par les 4 boosters qui viennent d'ailleurs d'un coffret où il y a le coffret classeur. Donc voilà, si ça vous intéresse, comme ça je me suis dit, 10 boosters, c'est assez cool. Je sais plus la manip, évidemment. 1, je suppose, oui, 1 c'est juste. Donc voilà, c'est parti. Alors, énergie ténèbre, d'ailleurs, il la manque en holo. Voilà, si ça vous intéresse, c'est la dernière énergie qui me manque. Je suis assez contente de retourner sur cette série. Oh, très jolie. Il me dit rien, d'ailleurs, ce Melodef. Par insecte. Ok, topiqueur. Et. Oh, sature. Ok. On commence tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, je suis contente de retourner sur la série des 151. Et je crois qu'il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien qui sort. La prochaine série, là, je vous l'affiche. Shiny Trésor, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je crois que ça sort en début janvier, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, la version japonaise est déjà sortie du coup. Je l'ai pas préco. Bon, ben voilà, on attendra la version française, hein, c'est pas grave. Et en attendant, du coup, je pense qu'on va retourner sur les anciennes séries. J'ai quelques boosters du coup, Évolution Céleste. Je suis assez impatiente de les ouvrir. Oups, et du coup. Ouh, vous tombez. Je vous ai rattrapé. Faille Paradoxe, je crois qu'on va laisser un peu de côté. Ok, Léviator, attendez, je vais juste remettre la cam de façon plus stable. Ok, hein, pas d'accident pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Donc voici la deuxième tine. Je trouve ça vachement sympa, les petits jetons là-haut, représentant les énergies. J'espère que ça change un peu. Donc première tine, on n'a rien eu. Ok. Ensuite... le code. Ouais. On a vu quelque chose. Continuons. Alors, Rattata, Carapuce, Charisme de Giovanni, Rhinophéros, Bandeau rigide, Chenipan. Mais non! Je suis trop contente. Ok, bon, attendez, on ne sait pas encore. Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Une gold? Je crois que j'ai pas eu gold en plus dans cette extension. Ok. Échange! Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas un Pokémon, mais je suis très contente. Elle est trop belle. Bon, de toute façon, les golds en général sont trop belles. Waouh, attendez, je veux la sleeve. Bougez pas, j'arrive. Voici ma première gold, si je dis pas de bêtises, mais je crois pas, dans la série des 151. Franchement, je suis trop contente. J'espère que vous la voyez bien. J'ai l'impression que je fais toujours des changements entre la lumière, le son, etc. Bon, en vrai, le son, j'ai pas changé grand-chose. Mais là, la nuit, comme déjà, il est 4h. Du coup, j'ai dû allumer une lumière. Donc voilà, j'espère que ça joue de votre côté. Et aujourd'hui, il a neigé. Je suis trop contente. Énergie holo. On est le 4 décembre et en vrai le 1er décembre on a déjà eu de la neige donc je suis trop contente. Ça s'annonce bien ce mois de décembre. Et d'un côté je me disais, vu la canicule qu'on a eu cet été, insupportable, voilà, on mérite je pense un Noël, en tout cas un hiver avec de la neige. Bon après je sais pas où vous situez mais en tout cas à Genève il a neigé. Donc voilà, pour les explications météorologiques vous êtes au clair. Et oui, alors c'était ça parce que je me suis dit, ah, je vais filmer plus tôt avec la lumière, un peu de la neige et tout, ça va être sympa. J'ai pas eu le temps. Donc, tout ça pour vous dire ça.
Instarose, ok. Bon, c'était une très bonne tine vu qu'on a eu la gold. Et on termine avec la dernière tine, évidemment. Arcane. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous voulez avoir toutes les tines, toutes les illustrations de tines. Ou si c'est juste moi qui suis un petit peu... voilà. En plus, il y en avait beaucoup. Je sais plus combien il y en avait, genre 10. Bon, après, évidemment, il faut les... C'est un coup, quoi. Ok, une autre énergie, feu. Mais dans l'idée, je pense que... Ouais, non, il y a peut-être que moi, en fait, qui fait toutes les illustrations. Moi, je sais pas. Bref, deux duos, Tentacool, on se concentre. Ratata, j'ai l'impression que c'est le même schéma qu'avant. Non, Tignon, ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Tape illusion, ouais. Ouais, je l'ai mis. Miaus, mais je crois qu'on a rien. Ectoplasma, franchement, ils l'ont pas respecté. Je suis désolée, cette illustration est n'importe quoi. N'importe quoi. Bref, ah non, il y a encore celui-là. Ah, ah. Les limites pour l'instant. Bon, j'ai eu la gueule, hein. Mais bon, on va voir juste la pioche de cette. Cette mini-tine, et sinon, bah, pas ouf quoi, parce que quand même, deux mini-tines, on y a que dalle. Ah, mais oui, en vrai, les 151, c'était galère le top drop, hein. Ouais, ouais, non, c'est moi qui ai badé. J'avais lu des commentaires, genre 3 ETB, il y avait que dalle, abusé. Non, j'avais eu du bol au début de l'ouverture, enfin, au début, j'ai ouvert 151, puis après, moi aussi, c'est un petit peu catastrophique. Donc, au final, ça va, on se rattrape un peu. Ok, Smogo, j'ai cru que j'avais 2 cartes. Non. Bon, j'ai eu la gold. Moi, j'aime bien quand même ces énergies. Je sais que ça. Voilà. Ça vaut pas. Ça vaut pas un hit, on va dire. Mais elles sont cool. Évidemment, ça s'arrête. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc voilà. Là, on passe du coup aux 4 boosters du classeur. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que je dis toujours ça. Mais sincèrement, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin d'année. Moi, je vous avoue que c'est un peu... c'est cool. Je suis contente d'avoir bientôt fini l'année, mais je ressens un peu la fatigue. Je sais pas si de votre côté aussi. Mais voilà. Faut dire qu'on est fatigué et qu'on veut tous être en vacances, en fait. Ok, bandeau rigide. J'ai l'impression que... Oh non, mais c'est pas possible! Me dites pas que c'est encore un échange. S'il vous plaît. Il y avait pas une autre carte avant? Non, non, c'est ça. Bon, c'est pas un échange parce que il y a que deux étoiles. Non, il y a 3 étoiles. Moi, c'est possiblement un échange. Non, c'est Mew! J'ai loupé une carte, mais c'est pas grave, c'était Reptincelle. J'ai Mew, c'est vrai, je l'ai déjà eu en gold, je crois. Waouh, du coup, c'est une double. Mais c'est une très belle double. 2 gold. Ah, trop bien, je sais comment je vais intituler ma vidéo. Je sleeve, j'arrive. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mew X en gold. Deuxième gold dans une vidéo. Franchement, mais ça fait trop plaisir. Et je vous avoue que j'essaye de pas mettre des titres putaclic. Mais là, du coup, je vais clairement mettre genre ouverture de ouf, 2 gold. Peut-être 3, on verra. Non, mais déjà 2, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ah, je suis contente. En plus, à chaque fois, je me dis, mais non, je vais pas les ouvrir. Ou je sais jamais lequel coffret prendre, par exemple, si j'en ai 2 ou 3. Bon, là, en l'occurrence, j'en avais que 2. Mais voilà. Oui, je la mets là. Parce que je les aime bien. Mais là, du coup, je suis trop contente. Ouais, je me répète, je me répète. C'est pas grave. Franchement, ça faisait un moment que j'avais pas eu des gold. Ou juste des hits sympas, non? Je parle dans les 151 parce que j'avais eu quand même une bonne pioche dans Fae Paradox. J'avoue. Galopa. Magnity. Et Devio. Et. Monsieur. Ok. Et à part ça, j'ai oublié de vous dire en intro, mais si jamais je fais des. Je fais un calendrier de l'avant. Je peux vous montrer, il est juste là d'ailleurs. Hop. Calendrier de l'avant Pokémon. Hein. Encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Il est juste là. Il est vachement cool. Si jamais vous voulez voir, c'est un short par jour. Je vais le remettre là. Voilà, un short par jour. Ça sort la 19h. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse de voir ce qu'il contient, vous avez l'info en tout cas. Ok, avant-dernier booster, encore une énergie en holo que j'aime beaucoup. Encore une fois, je sais, je me répète. Alors, Pikachu, Canartichot, Coquillas, mince, Fossile, Nautil, Ancien, Gravalanche, qui est très cool d'ailleurs, Gravalanche, l'illustration est assez cool, ouais.
Alors, lunettes de protection, j'ai loupé une carte arcana. On a une petite reverse de poids sirène. Et... Monsieur Mime ! Yes ! Trop bien ! Monsieur Mime, je l'avais pas. Non, je l'avais pas. En fait, ouais, non, ectoplasma, désolé, on te zappe. J'ai pas eu beaucoup d'alternatives, il me semble de... Enfin, je dis que c'est des alternatives, alors je sais plus le nom. Illustration rare, un truc dans le genre. Faudrait que je regarde en fait, je me souviens plus. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas ouvert cette série. Ah, voilà. Trop jolie. Franchement, elle est pas extraordinaire, je trouve, au niveau de l'illustration. Mais j'aime bien, ça fait un petit peu genre moment de la vie quotidien dans un monde où des Pokémon existent. Donc, très bonne pioche. Même si on compte pas les énergies, c'est une très bonne pioche. On tente. Ok. Petite énergie. Oh, regardez quand même comme elle brille. Hop. Fantomius aussi, ils ne l'ont pas respecté. Je me souviens plus comment il est ectoplasma, mais n'importe quoi. Paras, Voltorb, Krabi. Même Krabi est mieux fait qu'un Fantomius. Bref, piste cyclable, un sécateur, Reptincelle, très joli aussi, Aquaquack, Krabi et on termine par petite ex, dis donc, Kangourex, ex du coup, très mignonne, je l'avais pas, sinon je m'en serais souvenue, elle est vraiment trop mignonne avec le petit bébé dans la poche, je suis trop contente de cette pioche. Attendez, je vais la sleeve comme ça, je vous fais le petit récap. À la bien, j'arrive tout de suite. Bon, alors j'ai pas sleevé les énergies, mais bon, c'est pas grave, je pense que vous allez me pardonner. Donc voici notre petite pioche. Franchement, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a notre petite ex de Kangourex, très mignonne, très cute. Ensuite, Monsieur Mime, du coup, en alternate, enfin, illustration rare. Notre première gold avec échange, très sympa. Et du coup, notre deuxième gold avec Mew X. Franchement, je suis trop contente. Moi qui avais hésité à filmer cette ouverture aujourd'hui, bah franchement, je suis pas déçue. Donc voilà, cette ouverture est terminée. Bah franchement, je me suis régalée, je suis super contente. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr, à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!